Fun Radio, des tubes, respirez. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. Bonjour à tous, tous les 15 jours, Willy avec vous pour une nouvelle émission des années Disco Funk en direct. Et un bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur le www.rtfm.net en France ou à l'étranger. Merci à tous pour votre fidélité. Je veux croire que vous êtes fidèles à l'émission et donc vous savez que depuis le début, exactement le 7 février 2014, mais oui, les années Disco Funk vous proposent de survoler tout ce qui se passe de 70 à nos jours. Avec une petite préférence quand même pour le disco et la funk, d'où justement les années Disco Funk. Mais pas que. Quelquefois, comme on dit, je sors de ma zone de confort pour vous proposer autre chose. Ce n'est pas le cas ce soir. Et pour ce soir, justement, je vous offre quelques versions inhabituelles de titres que vous connaissez ou allez découvrir. Au menu, Lionel Richie et son pote Michael Jackson. Oh là là, une version très étonnante. Imagination, Laura Branigan, Tears for Fears, Cock Robin et quelques autres que je vous laisserai découvrir et écouter. Et comme d'hab, un final très dansant pour vous, mesdames, mais si l'envie vous prend, messieurs, vous pouvez inviter vos chéris pour un moment de câlin bien calme. Juste avant le premier des 10 morceaux calés et qui attendent tout comme vous, un petit bonjour à Joseph qui habite Luynes dans les Bouches-du-Rhône et qui a découvert RTVFM. Son mail nous félicite pour notre programmation musicale très variée et qu'il apprécie. Toute l'équipe vous remercie, Joseph, pour ce mail très très sympa. Et moi, je vous dédie cette émission des années Disco Funk. Alors, surtout, bonne écoute et restez jusqu'à la fin, c'est jusqu'à 19h. On commence par un groupe de post-disco, funk et soul britannique que vous connaissez tous, mais j'ai débusqué un titre pas très connu. Et c'est bien dommage car il mérite bien d'être écouté. Je vous laisse juge. Vous pouvez me le dire d'ailleurs, ce que vous en pensez sur willy@rtvfm.net. Je suis connecté, je vous lirai et je vous répondrai. Le morceau, c'est Imagination avec New Dimension. C'était en 1983 et c'est parti pour l'émission. Maintenant, une nouvelle heure de souvenirs débarque sur votre radio. Les années Disco Funk sur RTVFM avec Willy. I'm not afraid to die.
pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'était bien Imagination. Mais oui, vous avez reconnu le groupe, ça c'est sûr. Mais le morceau assez peu connu, c'était New Dimension. Donc c'était Imagination. Let the Music Play est une chanson enregistrée par la chanteuse américaine Shannon et sortie le 19 septembre 83. Non, ce n'est pas la version de Monsieur Barry White. Let the Music Play, oui, il l'a chanté aussi. À la fois comme son premier single et le premier single de son premier album studio du même nom, et c'était en 1984, mais ce morceau-là est de 83, c'est assez bizarre. Shannon donc avec Let the Music Play, tout de suite. We'll be right back.
Ça a déménagé un tout petit peu, hein. Je vous avais prévenu. C'est les années disco-funk et il y en a encore, comme on dit, j'en ai encore un petit peu sous le pied. Tears for Fears, parfois abrégé en TFF, est un groupe britannique formé par Roland Orzabal et Kurt Smith en 1981. Le groupe, initialement affilié au mouvement New Wave, a vendu plus de 30 millions d'albums à travers le monde. Selon leur bio, ils sont toujours actifs mais aucune actualité. Un peu bizarre. Je vous laisse découvrir cette superbe version bien entraînante. Vous les connaissez bien sûr, les Tears for Fears avec Everybody Wants to Rule the World de 1985. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTV FM.
Alors, dites-moi tout, que pensez-vous de cette belle version de Tears for Fears, bien sûr. Si vous voulez m'écrire, c'est willy@rtvfm.net. Je vous passe souvent des versions un peu spéciales et des versions longues, c'est normal, c'est l'émission. Mais surtout, ne jamais, jamais, je n'aime pas ça, et vous non plus. Il y a des puristes des années 80, les morceaux ne sont pas dénaturés. En général, très très bien remixés. Allez, ce groupe a été fondé en 1982 à San Francisco par l'auteur-compositeur Peter Kingsbury avec la superbe voix que vous allez entendre d'Anna Lacasio. Il a été actif jusqu'en 1990, date à laquelle les membres se sont séparés. Comme pour Tears for Fears, juste avant, je vous offre une version bien revisitée. Vous allez en juger par vous-même. C'est Cook Robin avec The Promise You Made, la promesse que tu m'avais faite ou que vous m'aviez faite. J'espère que vous l'avez tenue. C'était en 1984. We'll be right back.
Alors bien sûr, je vous donne mon email, mais si vous préférez le faire en direct, vous pouvez nous laisser vos avis sur le Facebook de la radio, c'est-à-dire c'est le Facebook /RTVFM, comme pour toutes les émissions, il n'y a pas que la mienne, vous pouvez toujours donner votre avis sur le Facebook de la radio en direct. Merci en tout cas à vous toutes et tous pour votre fidélité à la radio, bien sûr, et à l'émission. Jeffrey Lynston Osborne est un auteur-compositeur-interprète américain. Pour la petite histoire, il a fait partie des interprètes de la chanson, la célèbre chanson We Are the World, enregistrée en 1985 par pas moins de 20 artistes talentueux des US for Africa. Jeffrey Osborne, donc, avec Stay With Me Tonight. Reste avec moi cette nuit, au moins jusqu'à 19h. Merci. C'était en 1983. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM.
Malgré ses 8 albums de 87 à 2008, cette chanteuse américaine reste peu connue du public, sauf pour les connaisseurs des années 80, bien entendu. Pourtant, son nom peut se retenir facilement. Quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah ben oui !» Et sa voix ne peut s'oublier. Découvrez, si vous ne la connaissez pas, c'est Madame Regina Bell. Belle comme belle, bien sûr. Et elle était vraiment très très jolie. « You Got the Love » 1987. We'll be right back.
Les puristes ne vont pas me contredire, bien évidemment. Il y avait de très très belles voix, justement, hein, celle-là, Regina Bell, dans les années 80. Bon, il y en a toujours, hein. Il ne faut pas non plus dénigrer ce qui se passe aujourd'hui. Laura Ann Branigan, décédée le 26 août 2004, était une chanteuse américaine de musique pop, dance pop et disco des années 80 et 90. Bien qu'elle ait fait 7 albums, tout de même, c'est ce titre de 84 qui l'a réellement fait connaître et qui sera un succès planétaire. Rappelez-vous, Laura Branigan avec Self Control, une belle version encore bien remixée, et c'était en 1984. 100% plaisir. Les années Disco Funk sur RTV FM avec Willy.
Le prochain titre a été superbement remixé par le grand DJS, pour les connaisseurs, un DJ américain. Une belle idée de réunir deux très grands artistes qui n'ont jamais chanté ensemble. Non, je préfère prévenir, c'est un morceau assez étonnant, mais justement, il a le mérite d'exister. Alors surtout, régalez-vous. C'est monsieur Lionel Richie et le grand Michael Jackson avec Don't Stop et All Night Long. Donc un remixage fait par DJS et c'était en 2000. Régalez-vous bien, ça vaut le coup d'écouter.
Merci Gilles, tu habites les Angles et tu as dit waouh, exceptionnel. Eh bien oui, c'est sur RTFM et dans les années disco funk et c'est nulle part ailleurs. Alors surtout reste branché sur nous. Merci encore Gilles. L'avant-dernier morceau, c'était un chanteur américain de soul funk et Take Are décédé en janvier 96. Il compte pas moins de 75 singles au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fois en tant qu'artiste solo et en tant que chanteur vedette du groupe, rappelez-vous, pour les puristes, BB and Q Band, c'était lui le chanteur. Curtis Hairston avec I Want You Tonight. Alors, je n'ai pas du tout choisi les titres, ça veut dire en français, Je te veux cette nuit. Bon, bah, j'ai plus rien, hein, c'est comme ça. Curtis Hairston, c'était en 1983. Une radio, des tubes, respirez. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTV. VFM.
Encore un titre pour ce soir. Je vous retrouve dans 15 jours à 18h. Même endroit, même micro. Et peut-être dommage pour vous, même animateur. En DAB+, en DAB+, pardon. Et ou sur le www.rtvfm.net si vous êtes bien plus loin du Vaucluse et les départements environnants, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône et le Gard. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes sur le www.rtvfm.net. Merci encore. Si vous n'avez pas pu écouter l'émission, c'est en de rattrapage dimanche à 19h et mercredi à 13h et dès demain en podcast écoutable et téléchargeable sur notre site www.rtvfm.net. Pour toute question sur l'émission, comme je l'ai dit au début, ou simplement vos critiques, je vous lirai sur willy@rtvfm.net. Je vous répondrai, c'est promis. Pour le dernier morceau, eh bien, je vous offre une belle balade bien calme d'un chanteur de rock canadien. J'allais dire italien. Ben oui, je pense à l'Italie quand c'est très, très belle balade bien calme, qui était habité à l'instar des scorpions, habitué à l'instar des scorpions, à de slow, de vrais slow d'enfer. Dégustez-le sans aucune modération. Vous m'offrez cette danse, madame. Eh bien, je l'accepte volontiers. Bryan Adams avec Everything I Do. À bientôt, messieurs. Bisous, mesdames. Prenez bien soin de vous et des vôtres. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Les années Disco Funk avec Willy sur RTVFM. Look into my eyes, you will see. Do it for